Je ne dois pas être vu par ici. Si on me voit, cela se passera mal. Ces soldats semblent bien tendus. Va, Sinin. Une taverne. Ce doit être là. Sigurd n'est pas là. Je vais me renseigner. Je cherche deux étrangers, un Sarrasin et un homme du Nord. Ce que veulent retrouver les soldats, mon ami, je serai toi, je ne dirai pas que je les cherche. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne ? Tu n'es pas la bienvenue. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennuis. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Feingedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus, ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère ? Que donnerais-tu pour le savoir ? Je te pose une simple question. Écoute, Danoise. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Tu as l'air de le respecter, ce Gedrich. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce comté. Peut-être que cela te plairait que l'Oxenfordshire soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Alors une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedrich. Tu as raison, oui. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Sigurd et Basim. Sigurd et Basim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Inspecte les alentours, Sinin. Va souffrir.
Fort le poisson. Parfait pour se cacher. Attends! Non! Alan Wassal, Eivor. Tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas? La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. Ce serait une idée. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Fain d'ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors pour la combattre, tu offres ton épée à un Fain, sûrement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs? Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Par les dieux! Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. Quoi qu'il en soit, Edwin tient Gedrich. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Sigurd. Basim t'a-t-il fait mention d'une quelque récompense? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère... Notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais. Je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercy, puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage, et entendu la litanie de mes ancêtres. Et... Ah, nous pourrons parler de ma saga plus tard. Oh,
tourner cette charogne. Ces tâches sont si simples que je pourrais m'en occuper, si j'en avais envie. Eda veut la mort de cette personne. Je me rappellerai que tu as accepté ce contrat, alors fais-en autant. Thank you.
L'autre côté doit être barricadé. Il faut venir m'aider! Sigurd, tue cette saleté de pécheresse! Pas un geste! Ce traître de Gedrich sera jugé. Comme tous les saignes félons de ce comté. C'est toi, la traîtresse, Edwin, à supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée. Tais-toi, Gedrich. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex et à ce maudit bâtard d'Elfred. Pas question. Dame Edwin, inutile de recourir au massacre. Nous voulons tous la paix en Oxenfordshire. Pourrait-on trouver un accord ? Vipère danoise à la langue fourchue, chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots, car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre, Sigurd, du clan du Grand Corbeau affamé. Dépose les armes, libère mon ami et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend ? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. Qu'est-ce que t'as fait ? Dans quel bourbier t'es-tu retrouvé ? Détache-toi ! Je peux me battre. Tiens, oh, je n'ai plus pour longtemps. Pour moi. Maudite fois-t-elle. Je mourrais d'envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Gedrich, voici Eivor, ma sœur au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd ? La charmer avec ton vague espoir de royauté ? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des saignes du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gedrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous où voudriez... Où est-elle ? Le Saint Holt le sait. Fulke vit sur ses terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda,
la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. Et moi, l'âme en main, et le cœur en flamme. Qui est cette Fulke dont Basim a parlé? Une alliée, Eivor. Une alliée cruciale. Une sainte femme qui livre des prophéties et des savoirs secrets. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigurd. Non, c'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Ton discours est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Mon cœur brûle de l'ardeur du combat. Comme autrefois, n'est-ce pas? Oui, Sigurd. Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la Voie du Nord? Et de notre première prise, un cerf à 10 bois. Nous l'avons abattu ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons dépecé, avec des tibias affûtés. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé. Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son vin de vie. Il a fini par mourir. Vous avez de ces histoires. Ce n'est qu'une entre mille, Basim. Mais cette journée fut la glorieuse aurore de nos vies. Tu ne m'as toujours pas expliqué qui est cette Fulke. Je le ferai. Elle est le pivot d'un plan plus vaste. Plus que la conquête de l'Angleterre? Quel serait l'intérêt pour nous? Patience, Eivor, patience. Soit. Garde tes secrets, mon frère. Mais si cette alliance échoue, tu risques de les emporter dans la tombe. Tu retrouveras la sérénité lorsque tu connaîtras toute la vérité, je te l'assure. Déploie tes ailes, Sinine. Voilà le lieu du procès. Les gardes sont vigilants par ici. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Finissons-en. Le Seigneur nous offrira la victoire.
Bien. C'est Gedrich qui m'envoie. Vite, filons d'ici. Parler tranquillement là-bas. Nous avons combattu des années pour le... Oui.